Ok, salut, salut à tous les fans. Je tiens à vous préciser que je ne serai pas long. Je vais être très bref. Cette vidéo, je la fais suite aux accusations que je vois sur les réseaux sociaux depuis un certain temps là. Donc, je vais m'adresser directement à toi, moustique. L'huile du Ndjapche que tu as dans la tête là, que ça cesse très vite. Je ne suis pas dans vos pète-pète choses que vous faites, que chacun raconte ce qu'il veut à n'importe qui comme il le sent là. Je ne suis pas dedans. Tu flippes. Tu veux intimider qui? Tu veux intimider qui? Jusqu'à tu te lèves, tu te mets sur Facebook, commence à bavarder un vieux père comme toi. Tu te lèves sur Facebook, c'était là, fait quelqu'un qui est censé être ton Djanga. Comme tu veux mimba le manque de respect, moi je vais donc te manquer de respect fois mille. Faut pas confondre le respect et la peur. Je n'ai pas peur de toi. Tu peux faire quoi à quelqu'un? Tu es né. Tu parles que tu es un enfant, tu as grandi dans la misère. Tu as grandi dans la misère là seul. Comme un chien comme ça, un déchet. Quand tu venais voir OSS, tu passais par OSS pour arriver chez H4Life pour prendre de l'argent pour financer tes projets, ou c'est de quoi, ou c'est moustiquaire, ou c'est calcaire, toi seul tu connais le nom. Qui te donnait l'argent là? Ça tu as oublié, comme je te savais un peu là, tu pensais que je forget, c'est. Tu pensais que je forget, hein? Tu pensais que tu es fou. Il t'a dit que si tu veux quelque chose, tu m'appelles. Tu as mon numéro et cesse de raconter n'importe quoi aux gens sur les réseaux. Il t'a dit que tu me colles en GSA une place. Les oui que tu veux m'imbattre comme tu sais trop parler sur les réseaux là, comme tu fais un peu rire les gens, tu crois que tu as les fans là. Tu n'es pas arrivé. Il te dit ça. Moi, mon ventre, ce n'est pas le tonneau. Il te dit ce que je ressens. Si tu veux un peu, si tu sens que tu peux faire quelque chose, tu connais où j'habite, je suis à Maquette et Container, où je vais me trouver là-bas. Ça, c'est même quelle histoire ça. Tu parles les 10 millions, déduis sur l'argent que tu me dois. Déduis sur l'argent que tu me dois. C'est très simple, non? Tu prends ton argent, tu me remets mon reste. Là, on reste quitte. Tu bavardes, tu bavardes, tu bavardes. Tu peux faire quoi à qui? À moi, un ting-ting comme ça. Que tes sketchs que tu fais là ne te montent pas à la tête. Il ne confond pas le respect et la peur. On voit quelqu'un calme, vous pensez que comme il est très calme, c'est qu'on peut lui faire tout ce qu'on veut. Je ne suis pas dans vos choses là. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Tu dis que tu vas faire quelque chose. On vient d'en faire. On sera déjà comme ensemble, non? On va se trouver là-bas. Déchet. Le malin vous contrôle par vos addictions. C'est-à-dire, ils prennent le temps de vous étudier. Ils se rendent compte des choses auxquelles vous tenez, mordicus. Et lorsqu'ils réussissent à comprendre quel est votre fonctionnement émotionnel, ils vous donnent tout ce que votre émotion désire. Et au moment où vous vous sentez, vous devenez accro ou addict, ils coupent la ration. Et c'est lorsqu'ils coupent la ration que votre dépendance est fait sentir. Et lorsque votre dépendance est fait sentir, généralement, ça dépend. Vous pouvez être dépendant du pouvoir, de l'argent, de la drogue, peu importe. Lorsqu'on vous coupe la ration et votre dépendance est fait ressentir, on vous contrôle. C'est pourquoi il faut faire l'effort de ne pas être excessif dans tout. Toujours avoir de la tempérance et de la modération. Il y a des jours où ça peut aller et des jours où ça ne peut pas aller, mon gars. Ce n'est pas la fin du monde. Le jour où tu as les dos, vis. Le jour où tu n'as pas, mon frère, suivi. Aucune situation n'est éternelle. Tu tentes de faiblir, mon gars, on va te piloter. C'est comme ça qu'on y est en femme là. Ah ouais, alors. C'est ça, non? Bon lundi à vous de la part de Tonton Taro. Mesdames et messieurs, je suis bel et bien, comme vous pouvez constater, chez le docteur Moringa. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me rassure toujours chaque fois que je suis en forme. Donc, je suis venu faire mon bilan de santé et voici ça. On a détecté que j'avais des petits bobos. Voilà, donc rapproche la caméra, mon frère. Regarde ce qui sort de mon corps. Ça, c'est comme ça l'alcool. Il a encore interdit de ne même plus boire les bières. Ça, c'est les déchets qui étaient dans mon organisme. Donc, vous que le connaissez déjà, le naturopathe, docteur Moringa. Est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement tes services? Oui, approche la caméra. Je suis monsieur Takoke Mathieu, dit docteur Moringa. Alors, je suis chercheur multidimensionnel. Alors, notre frère est venu pour son bilan de santé. Et quand un patient vient me voir, il a des problèmes de santé, c'est moi qui lui dis. Voilà, après un bilan de santé, je lui dis voilà comment fonctionne le cœur, le foie, les reins, le cerveau, l'appareil génital, tout le spermatus, les trompes, les ovaires chez la femme. Et voilà, quand je fais cela, je lui dis voilà, vous avez tel problème à tel endroit, et je soigne facilement. Quand on a des problèmes de myome, de fibromes, de kyste, de cancer, de troubles de fluide, d'infertilité, de manque de sperme ou de manque de sperme, de diabète, d'hypertension, hépatite A, hépatite B. Et voilà, et parlant de l'hépatite B, je viens d'avoir un contrat avec le ministère de la recherche scientifique
où nous avons été sélectionnés minutieusement parmi les naturopathes du centre, on a vu que nous soignons sérieusement l'hépatite B. J'ai été sélectionné pour soigner l'hépatite B. Alors, quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite B, je confirme que j'ai vu un test d'hépatite B et je l'envoie vers le ministère de la Santé. On lui fait tous les examens, du test simple à la charge virale. C'est des examens qui coûtent généralement des centaines de mille. Alors, on lui fait tout cela gratuitement. Et quand la personne retourne vers moi, je lui fais les traitements à 30 000 francs le mois. Pendant 3 mois, ça veut dire 90 000 francs. Alors que c'était un traitement que je fais généralement à 67 500 francs. C'est une promotion pour le ministère de la HS à lancer avec nous pour confirmer le travail que nous faisons sur le terrain depuis des années. Et alors donc, pour tous vos problèmes de santé, venez nous voir, vous ne serez pas déçus. Je consulte à Mangui le lundi, à Omnisport le mercredi et à Mendon le vendredi. J'ai trois jours dans la vie. Et à vous, pour soigner les gens dans tout le monde entier. Merci. Très bien, il ne vous reste qu'à consulter le docteur Moringa. Ou bien, continuez à boire les bières, marcher, dites que vous êtes en santé. Le jour que vous avez fait le bilan de santé comme ça, comme moi, vous allez confirmer que nous sommes des cadavres ambulants. Voilà tout ce qui sort de mon corps, mon frère. On dit souvent qu'un homme bien portant est un malade qui s'ignore. Franco ne savait pas qu'il avait tant de déchets dans le corps. Après une séance de désintoxication, voilà le résultat.